Salut à tous les Kaisers et les Kaiserines, et c'est le Kaiser Suprême Hero News Abaddon pour une nouvelle vidéo sur Harvester. Et aujourd'hui, alors je parle à elle. Steve, c'est sympa de discuter avec toi, mais si nous voulons échapper à toute cette histoire de mariage, tu ferais mieux de te renseigner sur Harvest. Et je pense que tu devrais commencer par l'ordre. Tout dans Harvest semble tout. Ah. Oui, bon, on l'a déjà fait. Elle n'est pas la. C'est vrai, son. Tu crois que. Je crois que. Si c'est vrai. Écoute. Pourquoi ne pas aller voir ce qui se passe? L'ordre te fait vraiment peur. La nuit? Oui, bon. Salut! Reviens me voir très vite, d'accord? Bon, alors je sais pas du tout qu'est-ce que je vais devoir faire. Ah. Oh là là! Oh, ça n'a pas marché. Oh, ça n'a pas marché. Ok. Je vois. Quoi? Bon, c'est pas ce que je voulais faire. Zut! Je vois. Oh là là! Oh, ça n'a pas marché. Oh là là! Non, c'est rien, n'ayez pas peur, c'est ma bouteille d'abattis qui fait du bruit. Oh là là! Zut! Oh, ça n'a pas oh marché. Là là. Je vois. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Zut! Oh, ça n'a pas marché. Je mets la main dans les toilettes. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je peux faire? On est encore lundi. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'il va falloir faire. Mais. C'est une belle pièce que tu as là, Steve. C'est pour moi. Tu es vraiment formidable, mon garçon. Quel fantastique gendre tu ferais. Mais... Attends, attends, attends. Voilà, j'ai plus ma viande. J'ai plus ma viande. Mais... Pourquoi ne montes-tu pas voir? Mes salutations à tes parents. Mais... Voilà, voilà, je veux récupérer ma viande. Mais qu'est-ce qui t'a... Au secours, aidez-moi! Ouais, on est encore là. Mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Trop tard pour ça, fils. Bon, on va passer. Chargement. Attends, qu'est-ce que... Attends, je peux utiliser des trucs sur elle. Peut-être le magazine. Je vois. Tu essaies de me faire comprendre quelque chose? Ah, c'est quoi ça? Tu essaies de me faire comprendre quelque... Attends, c'est registre de quoi? C'est registre... Non, c'est registre de... Tu essaies de me faire comprendre quelque chose? Tu essaies de me faire comprendre quelque chose? Tu essaies de me faire comprendre quelque chose? Pourquoi il y a un lavabo? Pourquoi il y a un lavabo? Tu essaies de me faire comprendre quelque ouais, chose? Bon, on va utiliser tous les objets parce que je sais pas quoi faire. Tu essaies de me faire comprendre quelque chose? Tu essaies de me faire comprendre quelque chose? Tu essaies de me faire comprendre quelque chose? Attends, j'ai déjà fait ça. Tu essaies de me faire comprendre quelque chose? Tu essaies de me faire comprendre quelque chose? Tu essaies de me faire Attends, comprendre est-ce que quelque j'ai fait chose le troisième. Tu essaies de me faire comprendre quelque chose? Tu essaies de me faire comprendre quelque chose? Tu
essaies de me faire comprendre quelque chose ? Qu'est-ce que je peux faire ? On dirait du papier toilette dur à gros grains, ne pas utiliser aux toilettes. Attends, ici je mets de la colle sur le papier toilette. Ah non, on peut pas. Il n'y a pas d'affaires supplémentaires. La porte du savoir. Pendant lesquels je t'arrête. Alors, un truc que je peux utiliser, ça peut-être. Oh là là ! Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Zut ! Je vois. Mais laisse-toi. Bon, c'est vraiment très bizarre ça, ce plan. Vous imaginez ça au cinéma ? Ah, le magazine, peut-être, ça intéresse. Oui, oui, très bien. Mais as-tu de la viande ? C'est le pire personnage de l'histoire. Alors, toi, t'es bien ? Oui, oui, très bien. Attends. Mais as-tu de la viande ? C'est bon. C'est quoi ce rond ? Pour les armes ? Ah non. Ça n'a pas marché. Oui, oui, très bien. Bon. Bon, on n'a pas avancé. J'ai pas lancé mon minuteur, je le lance. Un jeu lancé. Le minuteur aussi est lancé. Il y a peut-être des trucs à faire avec la maison de Robin. Alors. De la colle. Je vois. Non, non. Zut ! Attends. Une astuce avec les abeilles. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas je marché. Vois. Ça n'a je pas vois. Marché. Oh là je là vois. Là. Zut ! Je vois. Ça n'a pas marché. C'est quoi ça ? Chez Johnson, alors. Attends, il va peut-être aimer, lui. Ça ne m'intéresse vraiment pas, Steve. Mais le gars, c'est un pervers, mais ça l'intéresse pas, ça. Ça ne m'intéresse vraiment. Oui, bon, ta gueule. Ça... Oh, ta gueule. Ça ne m'intéresse vraiment pas, Steve. Oui, bon, bon, j'ai compris. C'est le registre de quoi déjà ça ? Registre d'hôtel. Ah oui, c'est vrai, j'ai tué le croque-mort. Oh, ça c'est. Bon, ok, d'accord. Attends, je peux essayer de le tuer là, comme j'ai rien fait. Ça ne m'était. Mais. Pas de dame, le cimetière, mort. Attends, on va aller à la morgue. Alors. Ah mais j'ai déjà piqué ça quoi.
Ah, attends. La tasse. Je vois. Oh, ça n'a pas marché. Zut! Oh! J'ai récupéré un deuxième registre, registre de la morgue. Zut! Attends. Ah, mais attends. Oh, ça n'a pas marché. J'ai pris un sirop pour la toux, ça m'a ressuscité. Les noms dans ces deux registres correspondent parfaitement. Ah, voilà. Où les as-tu obtenus ? L'un vient de l'hôtel de Monahan, l'autre de la morgue de Monahan. Et alors ? Il faut que je vous fasse un dessin ou quoi ? Monahan est un assassin. Quelle foutaise ! Les clodos et les chômeurs se promènent dans Harvest. Parfois, il leur arrive de mourir. Il est normal qu'un pourcentage des clients de l'hôtel vient à décéder et soit, par conséquent, aussi client de la morgue. Oui, mais 100% des clients ! Non, certains clodos ne font que passer et ne restent ni à l'hôtel ni à la morgue. Pour ce qui est de ces registres, je les rapporte à Monsieur Moynihan. Quant à toi, tu es en état d'arrestation pour vol. Pour vol ? Mais je vous apporte des preuves d'un massacre. Preuve ou pas, tu as subtilisé ça à son propriétaire. Tu n'auras pas d'amende pour ça, mais tu passeras la nuit au trou. Oh non ! Attends, non ? Au secours, aidez-moi ! Mais qu'est-ce que vous voulez de moi ? Trop tard pour ça, fiston. Pas vrai, sergent ? Bien sûr que oui, shérif. Les réponses ne sont que dans l'ordre. Et il faut être vivant pour les trouver. Pourquoi il y a ce truc ? Il est à l'hôpital ? Ah, il est dans le coma peut-être, je sais pas. D'accord, bon, je vais quand même récupérer le registre. Il est con. Je vais montrer à Stéphanie plutôt. Bon, je retourne. Attends, est-ce que j'ai mon... Ouais, il me manque le registre de l'hôtel, de la morgue. Je sais pas si c'était vraiment la peine de donner le magazine à la fille. Alors, c'est morgue. Je me fais condamner à mort pour avoir dénoncé un meurtre. Jette un coup d'œil là-dessus. Voilà. Ce sont les registres des clients de l'hôtel Wayward et de la morgue. Les noms sont identiques. Steve, c'est pire que je ne le pensais. On dirait que les étrangers ne vivent pas longtemps à Harvest. Et si, comme nous le pensons, nous ne sommes pas de cette ville... Tire-nous de là, Steve, avant qu'il ne soit trop tard. Steve, c'est sympa de... Ok. Reviens me voir très vite, d'accord ? D'accord, bon, je vais enregistrer, sauvegarder... Alors, est-ce que je peux montrer... À qui je peux montrer d'autres ? À l'ordre. Non, pas l'ordre. Oui. Qu'est-ce que je peux... Cadin des pompiers, station de police, non. Café d'Etna, chaîne de télévision, mémorial, abattoir, base des missiles, bureau de poste, coiffeur, magasin... Soyons fous. Ne me fais pas perdre mon temps, gamin. Attends, le magazine. Ne me fais pas perdre mon temps, gamin. D'accord.
lors de chaîne de télévision, comme ça ils vont en parler. C'est intéressant. Je le savais. Le registre de l'hôtel correspond à celui de la mort. On dirait que les clients ne font pas la grasse matinée dans cet hôtel. Ou si vous préférez, qu'ils ont le sommeil un peu trop profond, si vous voyez ce que je veux dire. Merci pour le tuyau, l'ami. Ça fera le titre du journal de ce soir. Voilà, un peu d'imagination et voilà. Attends, je vais voir si je peux mettre. Hé, hey, c'est royal. Faut que je monte en selle. Attends. Attends, je vais donner le porno au monsieur là. C'est quoi ça? Attends, j'ai ouvert le coffre. Si vous ne sortez pas d'ici immédiatement, je vous fais arrêter. J'ouvre le coffre-fort du double. Attends. Qu'est-ce qui vous fait croire que ça m'intéresse? J'ai pas fait exprès d'ouvrir le coffre. Je pensais que c'était un tableau. Attends. Oh là là! Bon. Télévision, école du Mont Saint-Jean, abattoir. Ordre. Tu as eu une demande d'inscription chez le receveur? Pas encore. Si tu veux accéder à la connaissance, tu dois tout. Ce que tu fais ou ne fais pas m'indiffère. Il y a. Oui, bon, on a compris. Alors, bureau de poste. Désolé, fiston. Ouais, bon. La prochaine fois. C'était le doc. Je vous jure, j'ai pas fait exprès d'ouvrir le coffre. Je sais pas même pourquoi je m'excuse. C'est une. Abattoir. Station de police. Adressable. Caserne des pompiers. Regardez. Je sais pas, c'est. Désolé, Steve. Ah, il a tapé le chien. Oh, tu chamboules tout! Je vais demander à Sparky. En quoi ça me compte? Je ne pas. Attends. En quoi ça me compte? Alors. De la colle. En quoi ça me compte? Un tuyau. Mais oui, ils aiment bien les trucs phalliques. En quoi ça me compte? Oh, tu chamboules tout! Je ne parle pas quand. Attends, est-ce que je peux taper le chien? Oh merde! Je voulais taper le chien, excusez-moi. Le gars. Je vais me faire arrêter. Ah ben voilà. La troisième fois de la journée. Mais qu'est-ce qui t'a pris? S'attaquer à quelqu'un comme ça avec tous ces témoins autour. Enfin, tu auras le temps d'y réfléchir, mon gars. Bah oui. Y a pas de procès. Au secours, aidez-moi! Regardez le fond vert dégueulasse. Mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Trop tard pour ça, fiston.
Pas vrai, sergent? Bien sûr que oui, shérif. Les réponses ne sont que dans l'ordre. Et il faut être vivant pour les trouver. Ouais. Bon. Attends, je m'échappe comment? Ah voilà. Ouais. Je vais fouiller dans le cimetière. Ça n'a je pas vois, marché. Je ça vois. N'a pas marché. Oh là je là, vois. Oh là je là, vois. Zut. Je oh vois. Là là, zut, ça oh n'a là pas là, je vois. Là, je oh vois. Là, oh là là. Zut, zut. Je vois. Ça n'a pas marché. Je vois. Je vois. Zut. Caveau. Je vais retourner chez les Potsdam encore. Je suis sûr, ce caveau a un truc d'important. Chez Potsdam. Mais... Cesse de parler dans ta barre. Oui, bon, c'est bon. Désolée, je ne t'ai pas entendu. Mes salutations à... Je vais demander à Stéphanie, parce qu'elle, au moins, elle a le plaisir... Enfin, elle me parle, au moins. Qu'est-ce que je voulais lui montrer? Ah non, lui parler du caveau. Steve. Ça n'a pas de sens. Reviens me voir très vite. Ouais, c'est bien. Attends quoi? Attends. Ah ouais, elle a les joues rouges des fois quand on regarde sur le côté. Ça fait combien de temps que je joue? Ça fait 20 minutes. Enfin 20 minutes plus le début que j'ai pas enregistré. Où est-ce que je peux aller? Oh, chez le coiffeur. Les registres de Monahan. Steve, je ne crois pas qu'il aimerait te voir avec. Bien sûr que non. Il prouve que tous ceux qui ont pris une chambre à l'hôtel Wayward en sont repartis les pieds devant. Non, de Dieu, ça c'est sûr. Il aimerait pas que ça se sache. Si l'office du tourisme apprend ça, adieu la saison touristique. Merci. Alors, est-ce que lui, c'est intéressant? Désolé, Steve, la lecture, c'est pas mon fort, en particulier les registres d'hôtel. Putain, ça se trouve, Pastorelli, là. C'est bien, mais ça m'a pas fait avancer.
Ok. J'enregistre. Je fais toujours une avance. Alors, magasin. Bon, j'en parle à tout le monde. J'ai assez de comptabilité à faire comme ça. Je n'ai pas besoin d'avoir la tienne à faire en plus. Ah, merci. Je vais montrer à la dame. Oh, ça n'a pas marché. Ça ne m'intéresse pas du tout, mon garçon. Est-ce qu'il dit quelque chose partout? Ça ne m'intéresse pas. D'accord, oui, c'est la réponse bateau. Chez moi. Oh oui, je n'ai pas pensé à aller chez moi. Oh là là! Allez, c'est encore Steve. C'est une très mauvaise idée, ça. Allez, c'est encore. Ah, il s'en fout. Bah, de toute façon, c'est eux, c'est le frère. Le meilleur conseiller d'un jeune homme, c'est sa mère. Et moi, je te dis que tu vas avoir de sérieux pépins pour avoir volé ses registres. Peu importe ce qu'il y a écrit dedans. Mais tu ne comprends pas. Tous les gens qui descendent à l'hôtel Wayward terminent leur séjour au cimetière de Shady Oaks. Ce n'est pas prouvé, mon lapin. Peut-être que c'est même l'inverse. La première chose que tu dois te demander, c'est comment puis-je utiliser cette information? Tirer profit du fait que Mona Anne est un assassin? Et s'arranger pour ne pas être assassiné pendant ce temps-là. Un cookie, mon lapin. D'accord. Arrête de me faire perdre mon temps. D'accord. Attends, je vais enregistrer. Allez, tout le monde s'en fout, il y a un meurtre. On se croirait dans Buffet froid. Je vous conseille de voir Buffet froid, c'est un film avec Gérard Depardieu, c'est une parodie de film noir, c'est excellent. Qu'est-ce que je peux lui montrer? Arrête de... Bon, d'accord. Attends, oui, oui, je sais. Ça n'a pas marché. Ok. Ah, ce matelas est constellé de taille bizarre. Ne me fais pas perdre mon temps, gamin. Mais... Bon, remarque, il y a des plis. Oui, il vaut mieux s'occuper des lamas. Je t'ai dit ce que tu avais à faire. Tant que tu n'as pas fait tes preuves, je n'ai rien d'autre à te dire. Le magazine. Je t'ai dit ce que... Ok. Ah d'accord, c'est qu'on lui donne le jeu. Je t'ai dit ce attends, que tu avais à faire. Attends, je peux pas manger la viande. Tant que... Je peux pas manger la viande. Je vois. Zut! Oula! Oh non! Ah, oh, c'est marrant ça. Rebonjour. Voilà. Attends. Voilà, bon, il y a eu un bug et voilà. Zut! Oh là là! Peut-être le magazine. Oh là là! Ok. Magasin, bureau de poste, coiffeur, missile, abattoir. Attends, l'abattoir, il n'y a plus rien à l'abattoir. Le Guin Memorial.
Tu as obtenu ça chez mon âme, n'est-ce pas? Pourquoi me le montrer, mon grand? Une explication raisonnée à un acte insensé. Tu frappes à la mauvaise porte, Steve. Ne perds pas ton temps à répandre des rumeurs et à créer des affrontements. Rejoins l'ordre de la Lune d'Harvest. Là, ton éducation sera terminée. Ok. Bon, je vais remontrer. Tu as obtenu ça chez mon âme, n'est-ce pas? Pourquoi me le montrer, mon grand? Il paraît évident que tu as beaucoup à apprendre, mon jeune ami. J'espère que cela sera possible avant que ne s'abatte la faux. Alors, je l'en montre. C'est vrai, ils vont faire un cours sur les registres. Regardez, les enfants. Notre ami et ancien élève, Steve, a volé deux registres à Monsieur Monahan. Oui, mais regardez attentivement les noms. Wallet. Intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, Steve a fait le lien entre certains noms de ces registres. Cela nécessite un bon sens de l'observation et d'analyse. Je le savais. Et j'aime à croire que c'est moi qui lui ai donné ces qualités. Malheureusement, c'est aussi un petit voleur. Ce qui veut dire que je n'ai pas assez martelé de discipline dans sa sale caboche. Vous ne semblez pas comprendre ce que cela signifie? Non, Steve. Je comprends tout à fait. Simplement, je m'en moque. Probablement comme tout le monde, excepté peut-être le chéri. D'accord, bah je vais sortir, je me fais arrêter, c'est ça? Ah non. Ah non. Attends. Attends. Je sais qu'est-ce que je peux faire. Zut. Faut essayer de prendre. Attends, 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 attends. Zut. Alors, je sais plus qu'est-ce que j'ai utilisé. Ça n'a pas marché. Je vois. Ça n'a pas marché. Elle est en métal ou elle est transparente là? On dirait qu'elle est transparente, je sais pas si c'est la lumière en tout cas qui... D'accord, bah, je me fais pas arrêter. Alors, abattoir. Ça se trouve, il y a la police ou... Je vais sauvegarder. Apparemment, quand on dort dans ce jeu, il y a des gros cauchemars. J'ai envie de les voir. Pauvre chat. Les pauvres bêtes. Je me dis, oh. Ça n'a pas je marché. Vois. Je vois. Oh là là. Ça n'a pas marché. Oh non, je vais devoir boire les éclaboussures. Ça n'a pas marché. Ah non. Ça n'a pas marché. T'as un tuyau peut-être? Oh là là. Non. Zut. Bon. On va au café d'Etna. Ah merde, il y a le... Tu es passé chez Monahan, n'est-ce pas? Tu ferais bien de faire attention à qui tu montres ça. Tu ne sais pas à quoi tu as affaire, Steve. Ok, d'accord. Heureusement, le policier ne l'a pas vu. Je montre à la gamine. Super! Super! D'accord, ça m'avance pas plus que ça. Je vais sauvegarder. Attends, cimetière, caserne des pompiers, c'est à l'heure. Est-ce que j'ai montré aux pompiers? Je sauvegarde d'abord. J'aimerais trop avoir un camion de pompier avec la grande échelle là, mais également qui fait poubelle, un camion poubelle en même temps, et que t'es marqué police dessus. Alors. Désolé. D'accord, attends, ouais, je crois que je l'aurais déjà montré, mais je sais plus. Et en fait, j'ai. Alors déjà, j'ai un syndrome de Hans Asperger, mais surtout, j'ai. Niveau mémoire, c'est semble la diagnostic avant le Asperger. J'ai ma mémoire à court terme 20% inférieure à la moyenne. Par contre, ma mémoire à long terme elle est 40% supérieure à la moyenne. Oh, tu chopes.
Ouais, bon, c'est vrai, on m'avait montré. Ah oui, c'est là. Carnet de pompiers, station de police, cimetière. Chez Johnson, je l'ai pas montré. Bon. Hey, ce sont les registres de Monahan. C'est ça. Celui de Shady Oaks et celui de l'hôtel Wayward. Regarde ça. Ils sont identiques. Steve, tu es tombé sur quelque chose de gros, là. Tu devrais les apporter au shérif du Haine. Et puis non, au diable ce sale pecno. Apporte-les à McKnight, à la chaîne de télé. Ça, c'est une sacrée nouvelle. Ouais. Enfin, j'ai... Au moins, il y a quelqu'un qui s'y intéresse. C'est bien ça. J'enregistre. Donc, chez Potsdam, je sais pas si je leur ai montré. Les registres. J'ai montré à Stéphanie, mais peut-être pas. Oui, oui, très bien. Ok, il s'en fout. Elle, je l'ai déjà montré, je crois. Seigneur, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tout va bien. Très bien. Ah, c'est chiant cette chose. Bon, je vais remontrer à Stéphanie au cas où. Ah, je sais où je vais mettre de la colle. Non, pas dans Stéphanie, ne vous inquiétez pas. Jette un coup d'œil là-dessus. Ce sont les registres des clients de l'hôtel Wayward et de la morgue. Les noms sont identiques. Steve, c'est pire que je ne le pensais. Ouais, d'accord. Et si comme nous... Tire-nous de la... Par contre, je sais, la colle, c'est pour reboucher la... pour remettre le cadre en place. Bon, ça n'a pas marché. Ah, attends, je vais mettre la colle sur les toilettes, comme ça, Potsdam, il va avoir de la colle. Non ! Mais... Je vois. Non. Je vais sauvegarder. Bon. Potsdam, coiffeur, magasin chez moi. J'ai envie de jeter l'éponge, mais il faut bien que... Qu'est-ce que je peux faire? Désolé, fils. Ouais. La prochaine fois. Bah, j'ai tout fait. Hein. Peut-être aller mettre du journal, peut-être quelqu'un. Retourner dans le cimetière, non? Ah, le porno, je l'ai pas montré à tout le monde. Alors, on retourne chez le coiffeur. Là, il va comprendre, il parle italien, mais... Mais non, mais il comprend les images, quand même. Ouais, je vois. Ok, d'accord, ça intéresse pas. Bah, je m'ennuie, hein. J'ai envie qu'il fasse nuit dans le jeu.
Laisse-moi tranquille. Ah. J'ai envie de dormir. Qu'est-ce que je peux bien faire? Je sais. Bon, c'est pas... Non, ce que je vais faire, c'est pas une bonne idée, mais... Bon, tant pis. Bon, on va taper Johnson. Ça ne m'intéresse. Mais il est immortel. Mais il y a un bug, d'habitude on peut le taper. Bon, je vais reprendre de la vie. Je sais pas si c'est la bonne chose à faire, je pense pas. Ça échappe. Attends, c'est inventaire. Essaye. Non, c'est... Je suis bête. Oh, ça n'a pas marché. Non. Allez. Crève. Oh non. Bon, on réessaye. Un peu plus. Bon, on laisse tomber. Qui je peux frapper? Il n'y a plus personne. Pompier, non. Police, non. Ah oh. Si je le tue... Ah non, on peut pas le tuer. Bon sang à te voir masticoter. Passe me voir quand... Bah...
Qui c'est que je peux frapper? Ah oui, la télévision. Je vais frapper le patron. Et ne revenez plus! Ah, j'aurais pas dû. Merde. Je peux... Je me fais arrêter, voilà. Ah non! Bah. Je peux pas te causer maintenant! Attends. Bonne chevauchée! Attends, c'est pas possible! Je vais pas tuer tout le monde comme ça! D'accord. D'accord. Au moins, il sera plus en colère contre moi parce que je lui ai ouvert son coffre-fort. D'accord. Ah, c'est particulier. Ah oui, quand même. Je vous jure, là, je suis abasourdi. Attends, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, je sais plus quoi faire parce que je suis halluciné par ce jeu. Qu'est-ce que je... Un code. Ah, je suis choqué. Allez. Tu as eu une... Pas encore. Si tu... Oui, bon, c'est... Harvest peut te paraître étrange. Rien ne ressemble à ce qui devrait être. Ainsi sont les choses si on les regarde sous un cercle. D'accord, ouais, d'accord. La vérité se trouve dans l'ordre. Ah oui, ouais, c'est... Attends, j'ai tué combien de personnes déjà? Le gars de la morgue, le patron noir, la femme guêpe. J'ai tué d'autres personnes ou pas? Ah oui, oui, j'avais tué une quatrième personne. Qui c'est que j'ai tué? Ah, je me souviens plus. Ah oui, le gars de l'abattoir. Bon, on va retourner à la chaîne de télévision. Bah, j'imagine qu'il n'y a plus le cadavre, hein, j'espère. Le mec, la musique rigole. T'as pas fouillé un peu. Qu'est-ce que c'est? Mode d'emploi. Wall safe de luxe. Code 04 23 71 58. Exit. Donc je vais pouvoir... Mais j'ai le code. Mais bazar. Ah, ça m'énerve ces bruits de cartoon. Je déteste les cartoons. Mais j'ai le code.
Ah, voilà. C'est quoi ça? C'est un papier. Le titre de la propriété de la chaîne de télé. Ok, je suis propriétaire d'une chaîne de télé, là. Je jure. Quand je devais être en CM1 ou en CM2. Ouais, je pense que c'était en CM2 parce que la professeure qu'on avait, c'était la directrice. Et dans mon école, quand j'étais la directrice de la classe, c'était les CM2. Et du coup, ils me demandaient ce qu'ils voulaient faire plus tard. Et moi, j'avais dit, moi, je voudrais être patron d'une chaîne de télé. Ouais. Complètement mégalo. Et du coup, il m'a dit, ah, va falloir beaucoup travailler. Ah oui, là, c'est sûr, j'ai beaucoup travaillé pour. Regarde. J'ai beaucoup travaillé là pour devenir patron de chaîne de télé. Ah, je sais à qui il faut montrer. Attends. Je vais le montrer à lui comme ça va être moi le patron. Hey, c'est royal. Ok, il s'en fout. Il a pété un plomb. Alors, à qui je peux montrer ça? Abattoir, Mémorial Saint-Jean. Ah ben, je vais lui montrer que je suis patron maintenant. Eh, venez voir, monsieur le directeur, maintenant je suis patron d'une chaîne de... Seigneur, où as-tu trouvé ça? Aucune importance, c'est vrai. Le shérif Duane possède des parts de War. Oh, la sale petite vermine. Pas étonnant qu'il n'ait jamais résolu l'affaire du Sentinelle. Le salaud de pyromane qui a incendié l'immeuble du journal lui a donné un sacré coup de main. Ah, voilà. Voilà, ça c'est bien ça. Attends, déjà je sauvegarde. Alors... Les exposés auront lieu la semaine... D'accord, elle s'en fout. Ben voilà. Abattoir, chaîne télé... Est-ce que je peux montrer au patron de la chaîne télé histoire que... il se dénonce lui-même? Non, je déconne. Ne me fais pas perdre mon temps, car... D'accord, il s'en fout. rien qu'en un jour, là, tout ce que je fais. D'accord, il comprend pas. Je crois que si je montre à l'extraterrestre... Je vois. Oui, je vois. Attends, et alors? Peut-être que lui va comprendre. Heureux d'apprendre que le shérif a fait de bons placements, pas vrai, Peter? Ah, il est con! Oh, il est con, il a pas compris. Ou alors lui aussi, il est impliqué dans l'affaire. Purée. Oh, quelle nouille. Alors, rassurez-vous, j'en connais des agriculteurs, et même dans ma famille, il y en a, mais ils sont pas cons comme ils montent dans les films américains, vous inquiétez pas. Alors, là, chez moi. Ah, j'ai pas été au magasin. Je pense qu'il s'en fout. Allez, sans. Attends, je devrais lui donner une photo dédicacée. Allez, sans. Mais je comprends pas, normalement, ça devrait lui faire plaisir, la photo dédicacée. Je suis heureuse de voir que Duane a mis quelque chose de côté pour ses vieux jours. Ok. Ah, mais c'est vraiment des tarés. Hein. Stéphanie. Sauvegarder. Magasin, je vais montrer à la dame. C'est très bien. C'est débile. Pauvre sénile. Bureau de poste, je vais essayer tous les bâtiments. Ça ne m'intéresse pas du tout, mon gars. Mais... Alors, Potsdam, on va demander à Stéphanie. Stéphanie. Où as-tu ça? Dans le coffre-fort de War. Je me demande bien pourquoi le shérif essaie de cacher son investissement dans la chaîne de télé. Je ne fourre pas mon nez dans les affaires du shérif, et tu ne devrais pas non plus.
Mais... Ok, d'accord, il a pété. Ils ont pété les plombs. Mais... Comme c'est bien de voir que Duen a épargné pour ses vieux jours. Mais vous ne comprenez pas ce que ça signifie ? Absolument pas. Je ne suis qu'une femme, après tout. Prends un cookies avant de partir, Steve. Il n'y a pas de cookies. Mais... Ah, faut viser, hein. Mais... Alors, on va voir la fille. Tu essaies de me faire comprendre quelque chose ? Ah quoi ? Elle s'en fout ? Tu essaies de me... D'accord, bon, ben, ça nous avance pas grand-chose. Ça nous avance pas beaucoup, pardon. Oui, bon, c'est mon minuteur, mais on va un peu dépasser pour pouvoir... Johnson, je vais lui montrer à Johnson. D'abord, je vais enregistrer, histoire qu'il me dénonce pas à la police. Alors, il va avoir une réponse intelligente, je pense, enfin, j'espère. Donc... Titre de propriété. Duane a des intérêts dans War ? Mince alors, tu peux le clouer au plafond avec ça ! C'est pour ça qu'il avait étouffé l'affaire de l'incendie du journal. Personne n'a compris pourquoi, il n'a pas terminé l'enquête, mais voilà, la télé et le journal étaient concurrents. Bon Dieu, j'aimerais voir ce chien cloué au pilori. Alors Edna se rendrait compte de l'erreur qu'elle a commise en le préférant à moi. Ah, mais faut surtout pas le montrer à Edna. Morgue, il y a personne. Les pompiers, police, non. Café Edna. Mémorial, abattoir. J'ai montré déjà mémorial. C'est les chaînes de télé, ok. Je vais d'abord à la caserne des pompiers. Et après, je vais chez Edna. Et après, ce sera la fin de l'épisode. Désolé, Steve. En fait, là, quand on entend le coup de claque, on sait pas s'il claque le chien pour le taper ou si... Vous avez compris. En quoi ça me concerne ? Je ne parle pas quand... Oh, tu chamboules ! Je crois que le chien... Oh, ici, je donne des morceaux de viande au chien. Ah, ben, c'est bien, j'ai perdu ma viande. J'ai pas eu... Je veux garder ma viande, moi. On va au café d'Edna. Attends, est-ce que... Station de police, sa caserne. Ok, il reste plus que le café d'Edna. Café d'Edna. Ah, il y a l'ordre aussi. Bah, on verra au prochain épisode. Super. Duane a des parts dans War. Eh bien, si c'est vrai, il a tiré profit de l'incendie du Sentinel. Et ça expliquerait pourquoi il n'a jamais élucidé ce mystère. Oh, quelle horreur, cette ville, elle semble pourrir les gens. Il faut que tu t'en ailles, Steve. Quoi qu'il t'en coûte, pars de Harvest et ne te retourne pas. Je vais sauvegarder. Elle a l'air à peu près normale, la... Attends, est-ce que je l'ai... je crois que j'ai mal enregistré. Duane a des... Oui, bon, ça, on l'a eu. Je sauvegarde. Oui, j'avais pas bien enregistré. Bon, on va à l'ordre. Je sais pas pourquoi je me fatigue à aller à cet endroit. Je t'ai dit ce que tu... Oui, bon, oui, c'est bon. Mais est-ce que vous avez de la viande ? Bon, alors, on a fait le tour. Je vais aller à la police. C'est pas une bonne idée, mais je vais me faire arrêter. Attends. Je vois.
Est-ce si je montrais à Loomis? Oh, petit. Je ne crois pas que tu devrais garder ce truc. Quelqu'un pourrait se faire tuer. Ah, oh, je le sais depuis des années. Mais personne d'autre n'est au courant. Maintenant, je dois t'enfermer. Il faut que je le fasse. Sans rancune, petit. Quant au shérif, il va être drôlement furieux quand il va venir. Au secours, aidez-moi! Mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Trop tard pour ça, fiston. Pas vrai, sergent? Bien sûr que oui, shérif. Les réponses ne sont que dans l'ordre. Et il faut être vivant pour les trouver. Pourquoi il a un truc pour le pour la vie? Est-ce qu'il est dans le coma? Chargement. Bon, on retourne au stade de police parce qu'on va changer le dialogue. Ou alors on fera ça au prochain épisode. Bon ben, alors les Kaisers et les Kaiserines, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, mettre le pouce bleu, voir mon livre, mes créations et tout. Et surtout, à la semaine prochaine pour plus de moments enrichissants et plus de viande.